Aimez bien quand vous arrivez en Afrique, dès que vous sortez de l'aéroport, vous laissez le passeport européen bien en évidence. J'étais beaucoup frustré. Vous savez, quand vous venez de la diaspora, vous pensez que vous avez la science infuse, hein, vous arrivez et vous frustrez les gens à fond. Et puis surtout, ce que j'aime bien aussi avec votre association, cette facilité que vous avez de vous mettre ensemble, sans demander forcément d'où les autres viennent, mais de savoir que quand on a un objectif commun, on peut se mettre ensemble, on peut travailler ensemble, et puis ça peut avancer. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci aux Nouns de nous accueillir chez eux, madame. Alors, je suis très contente d'être là avec vous ce soir. On va passer une belle soirée, 19h, 2h du matin. Oui, c'est ça. Ah oui, moi, je rajoute toujours 2 ou 3 heures, hein, je vous le dis. Alors, vous le savez, le thème, vous le connaissez. Bien sûr, on va parler de la CEDEAO, mais surtout de la Côte d'Ivoire, des opportunités d'affaires, de comment investir en Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'espère que vous avez des questions, parce que l'objectif, c'est que cet événement soit interactif. On ne vient pas ici pour dormir. On vient ici pour apprendre et surtout pour partager. Alors, on va commencer tout de suite par quoi ? Bah, la présentation de Ripat Africa, c'est très important. Qui est Ripat Africa ? C'est vous, certes, mais c'est surtout une vision des objectifs. Donc je vais appeler tout de suite monsieur Kara Diaby, s'il vous plaît. Merci de nous rejoindre ici. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir au Noun. Merci au Noun de nous avoir accueillis pour cet événement. Merci au consul général de Côte d'Ivoire à Paris d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que Ripat Africa ? Donc, vous êtes tous membres de Ripat Africa. Je voudrais savoir parmi vous qui a envie d'entreprendre ou d'investir en Afrique dans les 5 prochaines années. Donc voilà pourquoi on a créé Ripat Africa. Moi, j'étais comme vous, hein, il y a 5 ans. Je me suis dit, j'ai travaillé 3 ans en Afrique, 2 ans au Cameroun, 6 mois au Sénégal, 6 mois en Côte d'Ivoire. Et de retour en France, parce que j'ai eu une expérience au Sénégal qui s'est très mal passée. Donc ceux qui ont quitté le podcast, vous savez les détails. De retour en France, j'ai cherché à retourner sur le continent au bout de 2 ans. Le problème, c'est que les opportunités qu'on a en Afrique, lorsqu'on est de la diaspora ou qu'on cherche un contrat d'expatrié ou local plus, c'est très compliqué à obtenir. Et moi, j'ai cherché une structure qui allait m'accompagner dans ce sens-là. Et à l'époque, je n'en ai pas trouvé. Et du coup, c'est là où je me suis dit, il n'y a pas de structure. Moi, je vais essayer de créer une structure pour permettre à toutes les personnes comme moi qui veulent investir ou retourner sur le continent de pouvoir le faire avec un cadre et surtout avec un réseau. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé Ripat Africa. En 2020, j'ai créé une newsletter et le premier article, c'était « Retour en Afrique, les 8 difficultés ». Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont lu. Et cet article, il a cartonné et c'est comme ça que ça a commencé. Donc aujourd'hui, Ripat Africa, c'est une communauté de bientôt 200 membres, 25 pays représentés en termes d'origine. Donc on a Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, voilà, il y a 25 pays, la moitié de l'Afrique. Donc on a des alternants maintenant. Donc bravo à vous les alternants, on applaudit. Voilà. On est très fiers de vous avoir avec nous, donc merci à tous et je vais laisser la parole à Aïssatou. Alors encore une fois, merci à monsieur le consul, monsieur Issiaka Konaté. Alors je vais le dire, hein, vous êtes presque une rockstar. C'est-à-dire qu'en 49 minutes, il n'y avait plus de place. Vous avez battu Beyoncé. En 49 minutes, top chrono, eh ben, il n'y avait plus de place. Ça s'applaudit. Ah, ils ne savaient pas quoi faire le vendredi soir. Non, bien au contraire, monsieur le consul. Encore une fois, c'est un plaisir. Merci encore une fois pour l'invitation sur les Champs-Élysées. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je tiens, et là je vais parler au nom de tous les Ripat Africa et de toutes les personnes qui étaient là lors du repas. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'échanger avec un consul, d'échanger avec nos autorités du continent africain. Donc merci sincèrement pour la disponibilité, pour la bienveillance que vous avez envers nous. C'était un plaisir. Alors, maintenant, monsieur le consul, on va commencer l'objectif de cet événement. Comme je dis, ça va être un événement interactif et surtout un événement inspirant. Et clairement, ils vont vous le dire, vous êtes quelqu'un d'inspirant. Et donc, on ne peut que commencer cet événement en parlant de vous et notamment de votre carrière. Quels sont les points clés, quelles sont les grandes lignes de votre carrière? Comment vous avez commencé? Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir, hein, à nouveau.
Ça veut dire que les autres fois, je n'ai pas été aussi ennuyeux, donc c'est rassurant. Alors moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis allé au collège dans une petite ville qu'on appelle Lakota, en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai fait le lycée des Divots avant de faire l'école normale supérieure, la fac. Et puis ensuite, j'étais allé à Londres. Et puis après, je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2012. On m'avait confié la responsabilité de la mise en place d'une fondation allemande qu'on appelle Friedrich Naumann. C'est une fondation d'obédience libérale. En allemand, le système politique est assez particulier. Tous les grands groupes politiques ont le droit d'avoir une fondation qui fait des œuvres caritatives ou enfin, selon leurs objectifs. Et la fondation Friedrich Naumann est une fondation qui travaille dans le domaine des droits de l'homme, l'économie des marchés. C'est une fondation libérale. Donc, je suis venu à Abidjan, c'est pour ça que j'ai une compréhension un peu plus nette maintenant de ce que c'est qu'un retour en Afrique. Parce que moi, je suis reparti à Abidjan pour mettre en place la fondation Friedrich Naumann et je devais trouver des locaux, faire l'abonnement d'électricité. Vous vous rendez compte, je n'avais jamais payé une facture d'électricité de ma vie en Côte d'Ivoire. Et je me retrouve là à faire un abonnement d'électricité et tout. Donc, je suis reparti et là, j'ai travaillé là pendant un moment. Ensuite, j'ai été nommé directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Je suis resté là pendant 10 ans et j'ai été affecté au Conseil des ministres du 4 novembre comme consul général de Côte d'Ivoire à Paris et j'ai pris service le 3 février 2022 ici à Paris. Donc, je suis là depuis quelques mois. Et donc, c'est l'une des toutes premières organisations que j'ai rencontrées quand je suis arrivé. Je pense que je l'ai dit au dîner la dernière fois. C'est pour ça que lorsqu'il y a une invitation, je suis aussi dans le retour de l'ascenseur, dans la spontanéité de ce que cette association m'a apporté. Et puis surtout, ce que j'aime bien aussi avec votre association, je réponds à la question, j'ai déjà répondu, c'est ce melting pot, parce que c'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une Afrique en miniature. Et c'est cette Afrique en miniature que je retrouve dans votre association. C'est-à-dire cette facilité que vous avez de vous mettre ensemble, sans demander forcément d'où les autres viennent, mais de savoir que quand on a un objectif commun, on peut se mettre ensemble, on peut travailler ensemble, et puis ça peut avancer. Et je dis toujours à la diaspora, le meilleur indicateur pour savoir si on fait bien, c'est de savoir s'il y a les gens avec soi-même. Quand vous avez un événement que vous postez, que vous vendez que les tickets sont pris en 49 minutes, ce n'est pas forcément par rapport à moi, c'est aussi par rapport à la crédibilité que vous êtes en train de construire, par rapport à ce que vous faites. Et vous devez vous applaudir pour cela. Merci. Donc j'ai répondu à la question et puis j'ai fait l'introduction. Très bien. Alors, petit rappel quand même, je ne sais pas si tout le monde est au courant, c'est quoi le rôle d'un consul général ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, vous avez deux conventions sur les plans diplomatiques. Vous avez la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et vous avez la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Moi, je suis consul général. Donc, un consulat général est une structure autonome qui se charge des activités consulaires. Donc, visa, passeport, protection des ressortissants, activités économiques, souvent même les questions de retour et les questions de bateaux qui sont dans les mers internationales, etc., s'il y a besoin que vous interveniez, et puis toute activité que votre État vous confie. Et puis vous êtes, si vous voulez, un maire de votre pays à l'extérieur. Moi, je peux procéder à un mariage d'un Ivoirien en France, par exemple. Donc vous faites aussi de l'État civil, vous faites la transcription des actes de naissance, la transcription des actes malheureux de décès, quand il y a des décès, vous êtes ce petit pont de l'administration de votre pays dans le pays d'accueil. Très bien. Donc, investissement et entrepreneuriat dans la CDAO. Alors, la CDAO, bien sûr, la Côte d'Ivoire fait partie de la CDAO et même une locomotive de la CDAO, disons-le. Quel est l'intérêt des 15 pays de se regrouper sous la CDAO ? Quels sont les principaux intérêts ? Mais écoutez, c'est surtout de créer une fédération d'États pour profiter réciproquement du marché commun qu'on crée quand on se met ensemble. C'est un marché très important. Je crois que c'est
c'est quand même 5,2 millions de kilomètres carrés. La CEDEAO, c'est assez grand. Hein. Un PIB qui est très important pour les différents États. Donc, on se met ensemble, on essaie de s'arranger de telle sorte que la richesse d'un pays puisse profiter à l'autre dans un exercice commun où on mutualise les efforts. Et c'est cela que la CEDEAO fait. C'est pour ça que très tôt, d'ailleurs, elle a travaillé sur le protocole de libre circulation de ses ressortissants. J'entends souvent beaucoup de plaintes ou de critiques vis-à-vis de la CEDEAO, mais en Afrique, c'est peut-être la meilleure organisation sous-régionale. Hein. Il faut pas en douter. Ouais. C'est quoi les points positifs, les avantages pour les citoyens de cette zone-là? Par exemple, la liberté de circulation. C'est, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour voyager dans ces 15 pays-là, si je suis par exemple ivoirienne, je peux voyager dans ces 15 pays-là sans visa. Sans visa, tout à fait. Et ça, c'est un élément important. Il y a ensuite l'accessibilité au marché, aux différents marchés des différents États. Et là, j'ai vu tout à l'heure, la CEDEAO m'avait transmis, ils sont en train de mettre en place une sorte de politique régionale d'investissement, c'est très intéressant. Et ils sont même en train de mettre en place une politique régionale de migration. Parce qu'en fait, la liberté de circulation doit s'accompagner de la liberté d'établissement et de travail. Et au niveau de la CEDEAO, quelquefois, il y a eu quand même des confusions sur cela. Ça veut dire que les États, je ne sais pas parce que je suis ivoirien, mais la Côte d'Ivoire est un bel exemple de ce que c'est que l'intégration au sein de la CEDEAO. Et puis, je retrouve beaucoup de jeunes aussi qui sont des États d'Afrique centrale, qui repartent aussi vers l'Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest a ce dynamisme. Et la CEDEAO porte quand même ce dynamisme-là. Et moi, je suis un passionné de la CEDEAO parce que je pense que la CEDEAO est nécessaire à l'intégration des États. Forcément, lorsqu'on parle d'investissement, nous qui sommes là, qui souhaitons investir sur le continent africain, on se dit oui, c'est bien beau d'investir. Est-ce qu'il y a une sécurisation des investissements? Est-ce que la CEDEAO va jouer ce rôle-là de sécuriser les investissements d'un Congolais qui souhaite investir dans cette zone-là, d'un Tanzanien, etc., etc. Est-ce qu'il y a une sécurisation qui nous permette finalement d'y aller sans avoir peur? Et bien sûr, parce que déjà la CEDEAO a fait un effort au niveau, lorsqu'il y a eu beaucoup d'incompréhensions dans certains cas d'investissement. Tout à l'heure, il me disait au téléphone que le commissaire de la CEDEAO en charge des questions d'investissement me disait que l'une des choses dont il est fier, c'est la sécurisation des investissements. Et ça, c'est très important. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, non seulement vous avez un centre qu'on appelle le CPC, le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, vous avez un nouveau code de l'investissement, vous avez un tribunal du commerce, vous avez un certain nombre de choses. On a dématérialisé beaucoup de démarches pour la création de l'entreprise. Et c'est cela qui se répète dans la quasi-totalité des États membres de la CEDEAO, où on essaie d'encourager l'investissement étranger, mais aussi, surtout, l'investissement de la diaspora. D'accord. Donc là, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, qui fait partie de la CEDEAO. Y a-t-il d'autres pays favorables aux investissements? Vous avez dit le Sénégal. Est-ce que les autres pays sont moins intéressants, sont peut-être moins ouverts aux investissements directs étrangers ou au contraire, non, c'est vrai que vous êtes les locomotives, mais on peut aussi très bien faire de beaux investissements dans les autres pays de l'Union. Bien sûr. Moi, je suis un avocat de tous les États membres de la CEDEAO parce que je crois en cela. Et c'est pour ça que dans le dîner où j'avais été reçu par Repat Africa, j'ai porté le message selon lequel il est important pour aujourd'hui la diaspora et la jeunesse africaine surtout de sortir de l'obstination du retour vers son pays d'origine dans le processus d'investissement. Pour moi, c'est une erreur. Il faut voir, vous pouvez porter un projet qui n'est pas réalisable en Côte d'Ivoire ou qui n'est pas pertinent, on va dire, pour la Côte d'Ivoire et qui sera beaucoup plus pertinent pour le Niger. Et qui sera beaucoup plus pertinent pour le Burkina Faso ou pour le Mali. Il faut avoir ce courage d'utiliser la liberté de circulation dans la zone de la CEDEAO et voir quelle est... C'est comme... j'ai un ami qui aime beaucoup la Bible, il aime citer la Bible. Hein. La parabole du semeur, on dit qu'on sème la parole, ça prend là où la terre est fertile. Donc c'est comme un projet, vous avez un projet... Vous allez dans les différents pays où vous savez que votre projet peut porter. Il faut sortir de l'obstination. Je suis Sénégalais, je ne vais pas investir au Sénégal. Je suis Ivoirien, je ne vais pas investir en Côte d'Ivoire. Il faut aussi songer à la pertinence du projet par rapport au pays dans lequel on veut s'installer. Et pour moi, je suis un avocat de la CEDEAO. Je pense qu'il faut continuer à travailler à cette ouverture. C'est une excellente chose, ce que c'est que la libre circulation. J'ai travaillé... dans le domaine de la migration,
les chiffres officiels hein, des organismes comme l'Organisation internationale pour les migrations, c'était que la migration intra-régionale, surtout dans les zones d'Afrique de l'Ouest et de l'Est aussi, parce que c'est là où il y a deux unions communautaires, allait au-delà des 75%. Et dans la zone de la CEDEAO, ils vont souvent jusqu'à 85% de mouvements des populations entre les États membres. C'est énorme. Et ça, c'est un dynamisme qu'il faut pouvoir utiliser. Moi, c'est comme ça que je vois l'Afrique. C'est comme ça que je vois l'intégration et tout ça. Et c'est ce qui m'intéresse dans Repat Africa, c'est cette capacité à se mettre ensemble, en fait. On va parler de la libre circulation, juste oui. pour rappel quand même. C'est-à-dire que pour bénéficier de cette libre circulation, il faut avoir un passeport oui. de ce continent-là. On est d'accord que là, il y a peut-être beaucoup de Français d'origine africaine, mais qui n'ont pas le passeport africain qui vous leur permette d'avoir accès, en tout cas de profiter de cette libre circulation. Donc là, c'est important de dire, en tout cas, toutes les personnes ici présentes qui veulent, qu'il faut faire le passeport de leur pays d'origine, notamment ceux qui sont de la CEDEAO. Et pour les autres pays, donc par exemple, je suis congolaise, je souhaite bénéficier de cette libre circulation-là, ce n'est pas possible, bien sûr, même s'il y a quand même peut-être des partenariats, des choses comme ça, mais ce n'est pas possible, on est d'accord. Oui, moi j'ai toujours été favorable à une signature de convention entre les États d'Afrique centrale et les États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les deux blocs communautaires devraient, à mon sens, signer une convention de libre circulation, quitte à ce qu'ils sécurisent le document, quitte à ce qu'ils fassent la liste des documents qui facilitent cette libre circulation. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a un passeport biométrique. C'était beaucoup plus compliqué quand il y avait des États qui avaient un passeport biométrique et l'autre État n'avait pas un passeport biométrique. Parce que l'autre État pouvait dire, ben non, ils n'ont pas de passeport biométrique, il y a un problème d'identité, moi je ne suis pas d'accord pour la libre circulation. Mais aujourd'hui, on a la chance, il y a des pays comme le Ghana aussi, la Côte d'Ivoire a des nouvelles cartes d'identité biométriques, le Ghana a des cartes d'identité biométriques, les passeports biométriques, c'est partout. Il faut que les autres États aussi peut-être signent une convention avec les États d'Afrique de l'Ouest, avec la CEDEAO. Et moi, je sais que ça, c'est possible. Parce que là, imaginez le marché que ça représente en termes d'investissement, c'est important. Et moi, pour moi, ce n'est même pas normal que ce soit si compliqué de se déplacer. C'est extraordinaire. On a cette libre circulation dans l'Afrique de l'Ouest. Mais dès que vous sortez de l'Afrique de l'Ouest, vous avez besoin d'un visa pour la plupart des États. C'est quand même... C'est assez traumatisant. Alors, pour vous de la diaspora, c'est vrai que je ne veux pas entrer dans ce débat qui fâche sur la question de la double nationalité qui n'est pas reconnue par tous les États, c'est vrai. Mais tant que les États sont tolérants sur la question de la double nationalité, moi j'encourage fortement les gens de la diaspora, s'il vous plaît, faites les passeports de vos pays. C'est vrai, hein? Vous aimez bien quand vous arrivez en Afrique, dès que vous sortez de l'aéroport, vous laissez le passeport européen bien en évidence. On sait. Non. De toute façon, les coupables se reconnaissent. Voilà. Alors, donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est important parce que la liberté, pour moi, c'est fondamental. Vous décidez le matin. Ah, ce soir, on va tous, on est 10, on va à Bamako, on va 10 à Bamako. S'il n'y a que le billet acheté. Pareil au niveau de l'investissement. Pareil au niveau des opportunités auxquelles vous avez droit par rapport à l'appartenance à ce bloc communautaire. Donc ça, c'est important aussi de ne pas perdre pied. C'est vrai, hein? Moi, je pense que c'est... Je comprends le fait que des personnes ayant vécu sur un territoire européen pendant très longtemps, ça débouche sur la nationalité du pays d'accueil, c'est bien évident. Il y a aussi les personnes qui sont nées dans les pays, qui donc portent cette double culture. Personne ne leur demande de se défaire des différentes cultures, c'est une richesse. Ce mélange, ce melting pot est une richesse. Mais n'oubliez pas qu'il y a des opportunités aussi en Afrique. Ces opportunités, vous pouvez les saisir. Vous pouvez même avec votre passeport prétendre à des positions. Vous savez, il y a beaucoup d'organisations internationales qui, lorsqu'elles s'installent dans un pays africain, demande aujourd'hui à avoir une personne de ce pays, un ressortissant de ce pays. Et donc, même si vous êtes en Europe, que vous avez un passeport européen, que vous avez ensuite ce passeport africain, vous pouvez dire, ah oui, là, je suis là. C'est vrai, oui, je suis né en France, mais oui, j'ai aussi la nationalité. Donc, et puis, acceptez peut-être le contrat local. Hein. Vous n'aurez pas 10 000 euros par mois, mais il y a des contrats locaux qui, quand même... Bon, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a ces opportunités.
Et nous, c'est pour ça, nous, ici à Paris, le consulat des Côte d'Ivoire fait énormément de passeports pour les Ivoiriens naturalisés, les personnes qui sont d'origine ivoirienne, qui ont obtenu aussi la nationalité ivoirienne, ils ont la possibilité de faire leur passeport. Ils sont bien chanceux, mais parce que par le passé, si vous demandez à nos aînés, quand ils avaient leur passeport, un, il n'était pas biométrique, deux, pour le renouveler, ils partaient en Afrique. Aujourd'hui, la plupart des États ont la capacité d'organiser la reproduction des passeports sur les territoires. C'est vrai, hein, quand nous on parle, vous savez, les jeunes, ils ont l'impression que, mais comment ça, ils vont faire le passeport? Mais oui, c'était comme ça. Il y avait même une page où le consul avait le droit une seule fois de mettre un cachet pour prolonger le passeport. Et c'était bien écrit à la main. Par contre, ceux qui écrivaient dans les passeports, ils avaient de la classe, hein, pas de faute d'orthographe. C'était bien soigné. Bon. Voilà, en tout cas, voilà. Merci pour le rappel, c'est très important. C'est vrai qu'il y a des opportunités, il y a des privilèges même d'avoir cette double nationalité. Donc, s'il y a la possibilité, autant le faire, parce autant que c'est plein de choses qui vont en découler. Donc, très important. Maintenant, on va se focaliser un peu sur... Je ne sais pas s'il y a des questions concernant la CEDEAO. Est-ce qu'il est possible qu'un membre issu d'un autre pays que la Côte d'Ivoire puisse avoir la nationalité ivoirienne, hormis le mariage avec un Ivoirien? Oui, on peut demander la nationalité ivoirienne. La nationalité ivoirienne peut être accordée aussi à des personnes qui ont rendu des services exceptionnels. La nationalité ivoirienne aussi peut être accordée par décret. Donc, quand les gens font la demande, les gens qui ont vécu pendant plusieurs années. Je me souviens, au moment de la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu un reportage intéressant qui est passé sur un média français. Et il y avait une dame, hein, on va dire européenne, moi j'aime pas trop les termes de blanc et de noir, mais en tout cas on va dire, et puis elle, et tout le monde fuyait le quartier, elle était là, ils sont venus l'interroger, elle a dit je bouge pas, c'est ici que je suis, moi je bouge pas, tous les jeunes me connaissent, je bouge pas, elle a pas bougé. Et si vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, vous allez dans la ville de Boaké, et vous avez... un hôtel Mon Afrique, ça appartient à des Français ivoiriens, mais qui, je crois, hein, Français ivoiriens, mais qui sont toujours restés à Boaké malgré la crise. Ils sont restés là. Ils étaient là. Donc, il y a la possibilité d'obtenir la nationalité ivoirienne par des canaux officiels existent. Ok, on continue avec la Côte d'Ivoire. On va se focaliser maintenant sur la Côte d'Ivoire, notamment sur les opportunités d'investissement, sur le climat. Économique, le climat pour les investisseurs, les éventuels investisseurs qui sont ici présents. Alors, première question, donc, au niveau de l'environnement, c'est un environnement favorable, vous l'avez dit plus tôt. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour finalement que cet environnement soit aussi favorable pour les investisseurs? Vous parliez tout à l'heure du guichet unique, oui. Vous parliez de la sécurisation des investissements. Oui. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire a plusieurs sites. On a le site du CPC, le site internet du CPC, mais on a aussi le site internet de Invest 225, donc investir en Côte d'Ivoire, où il y a un code d'investissement qui est assez favorable, mais qui évolue par bande. Et bien entendu, la priorité de l'État, c'est une sorte d'investissement dans des zones maintenant un peu plus éloignées d'Abidjan. Donc, plus vous vous éloignez, plus vous avez des opportunités, plus vous avez des facilités au niveau de l'investissement. Et ce que j'aimais beaucoup aussi au niveau de l'investissement en Côte d'Ivoire, c'est comment constamment ils ont changé tout ce qui ne marchait pas. Je crois que la Côte d'Ivoire, plusieurs années de suite, faisait partie des 5 ou 10 pays les plus réformateurs dans le domaine de l'investissement. Ils ont quand même créé ces opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème. Et il peut exister des problèmes parce que quand même... par le passé, il y avait des difficultés au niveau de l'administration. Donc, on a réuni toutes les administrations nécessaires à la création de l'entreprise dans un même bâtiment, un guichet unique. Et ça permet la facilitation de la création d'une entreprise. Il y a aussi les appuis que l'État, les facilités que l'État met en place. Je parlais avec quelqu'un qui est dans le domaine de l'immobilier. Ils ont prévu de faire des logements sociaux. J'ai vu dans son contrat, hein, les superficies que l'État avait données. Donc, il y a un certain nombre de maisons qui doivent faire, qui sont des maisons sociales, et les autres devront être des maisons de moyen standing, ainsi de suite. Il y a toutes ces facilités qui avaient été faites à ces différentes personnes. Et puis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est une nation francophone, c'est-à-dire déjà, pour toutes les personnes qui parlent la langue française, lorsqu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, elles ne sont pas dépaysées. Elles ont ce contact automatique avec les différentes personnes qui sont sur place. Il y a la facilité de création, les appuis que l'État apporte à... même aux jeunes.
L'agence emploi jeune apporte des appuis, même pour des créations d'entreprises, même au niveau de la diaspora. J'ai moi-même représenté, il y a, quand j'étais dans mon ancienne fonction, la ministre d'État a eu une remise des chèques symboliques à Paris. On avait remis plus de 500 millions, plus de 500 000 euros d'appui à l'investissement des jeunes de la diaspora. Mais il fallait être âgé de moins de 40 ans. C'était trop tard pour certains d'entre nous, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il y a facilité que l'État offrait au niveau de l'investissement à ces différentes personnes. Et puis, il y a aujourd'hui la sécurité qui est revenue en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a le climat en Côte d'Ivoire, pas seulement le climat de l'investissement. Je vois comment vous êtes habillé aujourd'hui, comment vous êtes obligé de vous traîner avec des gros manteaux. Mais vous n'avez pas cette obsession. C'est quand même un climat assez favorable. Et puis, on est premier producteur mondial de noix de cajou. Moi, j'encourage fortement la diaspora à travailler dans ce domaine, surtout dans le packaging des nouveaux produits, des choses comme ça. Vous allez nous dire plus d'informations concernant les opportunités. Après, le climat, c'est un peu facile quand même, parce que ce n'est pas vous qui avez décidé du climat. Mais c'est quand même voilà, mais vous pouviez le citer, parce que moi, je parlais vraiment des mesures que l'État a mis en place pour faciliter les investissements, les IDE. On a le guichet, ça, on retient très bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui… Il y a le tribunal de commerce, il y a la sécurité, des investissements et à la facilité de se plaindre aujourd'hui lorsqu'on a une difficulté fondamentale au niveau, que ce soit au niveau de la création de l'entreprise ou bien des difficultés. Si après vous avez un partenaire qui a décidé pour des raisons de confisquer les biens, on a la possibilité aujourd'hui de recouvrer ces investissements. Et puis moi ce que j'aime bien surtout, c'est toutes ces chambres de commerce qui se sont créées, que ce soit au niveau de la CGC, où il y a tous les patrons de Côte d'Ivoire qui ont leur chambre. Vous avez aussi le président Fama au niveau de la chambre des commerces. Vous avez des facilités aujourd'hui et des facilités de joindre certains responsables gouvernementaux lorsqu'il y a des difficultés. Mais il y a même plus. Moi, quand j'étais directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, on a même travaillé, je crois que j'ai envoyé à M. Diaby, on a travaillé sur des guides d'investissement des régions. Et on avait fait deux au moment où je partais. On a fait les guides d'investissement de la région de la Nahua et un guide d'investissement de la région de San Pedro. On avait fait des guides d'investissement. On mettait une sorte de banque de projets. On mettait l'ensemble des projets afin de faciliter la tâche aux différentes personnes. On leur dit, voilà ce dont on a besoin. Vous avez la possibilité d'investir dans tel domaine. D'ailleurs, je réfléchis à la mise à organiser un événement de très haut niveau ici à Paris avec le président du CNPPP, c'est le Comité national de partenariat public-privé de Côte d'Ivoire, pour qu'il vienne présenter l'ensemble des projets majeurs ouverts à l'investissement en Côte d'Ivoire. Ça sera un événement très intéressant. On va certainement le faire au Cercle des Alliés, qui est un centre d'un certain niveau pour qu'il y ait toutes ces personnes qui viennent. Et il y a cette attractivité de la Côte d'Ivoire. Exactement. La Côte d'Ivoire a seulement 6 heures de vol d'ici. C'est au moins, on avait 17 vols par semaine à l'époque d'Air France. Je crois aujourd'hui, après la COVID, ça avait réduit un tout petit peu. Je crois qu'on est à 2 vols par jour, je crois, en ce moment. Donc, ça doit être autour de 14 vols par semaine. On est quand même bien placé au niveau de l'Afrique de l'Ouest et il y a toutes ces mesures incitatives dont je viens de parler et qu'on met en place. Et puis, n'oubliez pas la langue française. Pour moi, c'est fondamental. Voilà. Donc, on réitère, hein, le plus important, en tout cas pour ceux ici présents, c'est ce guichet, c'est-à-dire que c'est centralisé. Aujourd'hui, je me déplace à Abidjan, je souhaite y vivre. Je vais à un seul endroit pour pouvoir créer mon entreprise en combien de temps ? 24 heures. Voilà, s'il y a des difficultés, on va dire que vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, mais… Ah non, mais nous on va leur répondre que monsieur le consul de Côte d'Ivoire en France nous a dit que c'était 24 heures. Ah oui, non, mais… Alors là, ne serait-ce que 26 heures, 24 heures… C'est dématérialisé, hein, c'est dématérialisé. Honnêtement, le CPC, ils seront à l'activité d'ailleurs que je vais organiser ici à Paris, je leur porte. Mais c'est très important et donc ça, peu importe qu'on fasse partie de la CDAO, peu importe… Peu importe, c'est la création d'un… En 24 heures, on peut créer notre entreprise si on a tous les éléments nécessaires pour le faire. Si d'accord, donc le message est bien reçu. Alors,
Concernant aussi, c'est important, les tribunaux commerciaux, c'est très important parce que c'est bien beau de mettre en place une entreprise et finalement, s'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nos investissements sont sécurisés? Est-ce qu'on a la possibilité d'aller au tribunal et de juger une affaire? Oui, c'est possible parce que ça, c'est, j'ai vu, j'ai lu effectivement que ça avait été bien réformé. Ensuite, le climat est intéressant, on peut faire de bonnes affaires. Quelles sont les opportunités? Vous avez parlé de la noix de cajou, vous avez parlé peut-être du cacao, alors, mais quelles sont les opportunités pour vous aujourd'hui pour, là, vous avez 30, 40 personnes. Vous leur direz d'aller vers quel secteur d'activité? Moi, il y a deux... Il y a les infrastructures. La Côte d'Ivoire travaille énormément là-dessus. Mais moi, il y a deux secteurs où je vois que c'est un peu négligé quand même. Je pense que dans beaucoup de nos États, jusqu'à présent, au niveau du tourisme, pourquoi je vous dis ça? Est-ce que tout le monde sait que le premier épisode des Bronzés, ça a été tourné en Côte d'Ivoire dans un Club Med? Damn! Donc, on est parti de là, quoi. C'était lequel? Les Bronzés font du ski? Il n'y a pas de chance. Alors, le premier épisode. Donc, je pense qu'on doit davantage travailler dans le domaine du tourisme. Et puis, moi, j'aime bien qu'on travaille de façon très organisée aussi dans le domaine de l'agriculture. Quand on a 77% de jeunes de moins de 35 ans, le Premier ministre disait en Côte d'Ivoire la semaine dernière, il faut qu'on sorte de l'obsession d'aller faire un doctorat et de rechercher un emploi avec le doctorat. Il faut vraiment qu'on commence à penser les métiers de demain, qu'on réfléchisse, qu'on comprenne, et je l'ai déjà tenu, j'ai déjà tenu ces propos dans la première rencontre avec Repat Africa. Dans l'agriculture, ce n'est pas forcément du travail à la machette ou à la daba. Ce n'est pas forcément ça. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire dans ces domaines-là. Moi, je suis admirateur de ce que le Burkina a fait, où on fait aujourd'hui des fraises du Burkina. Je suis admirateur de ce genre de choses, de ce genre d'initiatives. Et moi, je pense qu'on doit travailler sur ces différentes choses. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de la diaspora, quand ils repartent, il faut penser à tous ces domaines. Et le tourisme, les infrastructures, l'agriculture sont des domaines. Et puis l'informatique aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui. Je lisais, il y a quelques années, j'avais lu dans un... c'était Dell, l'entreprise Dell qui fait les ordinateurs, qui disait que la plupart des emplois qui seraient en vogue dans 30 ans n'avaient pas encore été créés. Donc en fait, il faut penser demain, il faut anticiper, il faut aujourd'hui voir cette jeunesse de l'Afrique, comment est-ce qu'on peut mieux la canaliser. Moi aussi, je suis un fervent admirateur des centres de formation professionnelle. La Côte d'Ivoire, dans son cas, on a 77 établissements de formation professionnelle. Je pense qu'il faut qu'on commence aussi à mieux orienter les jeunes, à voir, ne pas envoyer tout le monde vers le circuit traditionnel de l'université. D'avoir déjà à partir du BEPE, de sortir certains centres de formation professionnelle. Déjà, ça serait une avancée que d'avoir, par exemple, des plombiers qui vont nous faire des choses sans qu'il y ait des fuites d'eau. Les 10 ans que je suis resté à Abidjan, la quasi-totalité de mes amis, quand ils m'invitaient, moi y compris, il y avait toujours un problème de fuite d'eau dans les maisons. Je ne comprends pas. On avait toujours ce problème. Et aujourd'hui, on a la possibilité de réfléchir aussi dans ce domaine-là, mettre en place, surtout travailler avec des Européens ici qui sont à la retraite, des jeunes retraités. Non, mais parce qu'ils ont un tel savoir-faire, et ils vont à la retraite avec ça. Moi, je suis preneur de personnes qui investissent dans le domaine de la formation professionnelle parce que je pense que l'avenir, c'est là. Et il faut sortir systématiquement de... voilà, je vais faire une maîtrise, et puis je fais un doctorat, et puis après, et je vais faire ça, après je vais aller enseigner, et puis... voilà, moi je pense à ces différents domaines déjà. Et j'ai vu, il y avait le sommet de la francophonie la semaine dernière. Il m'a été rapporté qu'il y a un jeune Ivoirien qui est fabricant de chaussures. Et tout le monde était tellement impressionné par les chaussures qu'il fabriquait que toutes les délégations venaient lui acheter des chaussures. Il fait des marques. Il y a aussi beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui travaillent dans le domaine du luxe, mais qui travaille à la fois sur du matériel. J'ai un jeune ami ici qui travaille sur ce qu'on appelle French Deal. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, lui aussi, c'est un jeune Ivoirien qui travaille dans le domaine de la mode. Il y a ces choses-là où il mélange le tissu africain à un certain nombre de choses.
Donc, il y a ces différents domaines qui sont porteurs. Et puis, les infrastructures, bientôt, c'est plus vaste. D'accord. Alors, pour les potentiels investisseurs que nous sommes ici, nous sommes en France. Pour le coup, nous ne sommes pas à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, pouvant aller au guichet unique. Comment on fait? C'est-à-dire que j'ai un projet d'investissement, je souhaite l'exécuter. Vers qui dois-je me tourner en premier? Est-ce que c'est le consulat? Est-ce que c'est l'ambassade? Est-ce que vous jouez le rôle d'intermédiaire ou pas du tout? On peut, parce que l'ambassade a un service économique. Un consulat général peut aussi travailler sur des questions, a aussi le droit dans la Convention de Vienne de travailler sur les questions économiques. C'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Cette rencontre parle d'investissement, je suis là. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt à travailler sur ces questions économiques. Parce que je pense qu'il faut sortir aujourd'hui des clichés négatifs de l'Afrique, l'Afrique des migrants, l'Afrique de ceci, de cela, pour montrer la nouvelle Afrique d'une certaine jeunesse décomplexée, à cheval sur plusieurs cultures, et qui assume cela, qui veut investir dans des domaines, qui sait ce qu'elle veut, qui pas à la rencontre des autres, qui investit régulièrement sur des questions aussi importantes. D'accord, donc il y a un volet économique au sein de l'ambassade, au sein du consulat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous envoyer... si vous avez besoin de documentation, il y a aussi le site Invest225, vous pouvez voir, ou le site du CPC, où il y a le code d'investissement à la fois en français et en anglais. Il permet aux personnes quand même de voir le code d'investissement en Côte d'Ivoire et de voir les grands projets. Sur le site du CNPPP, je ne sais pas s'ils l'ont mis, mais à l'ensemble des projets pour la Côte d'Ivoire, il y a aussi le plan national de développement de la Côte d'Ivoire qui va généralement vous dire les différents domaines qui nous intéressent au niveau du développement. Et en tout cas, nous, on est disponibles. Si vous avez besoin d'informations ou vous êtes en train d'aller en Côte d'Ivoire, vous avez besoin de contact sur place. Ben, ça tombe bien, monsieur. Voilà. Nous sommes disponibles. Monsieur Konaté, parce que j'ai des cas pratiques. D'accord. Tant qu'à faire. Je me suis intéressée à cet after-work. Allez, je m'appelle Marie, je suis congolaise. Je vis en France, j'ai beaucoup d'argent et je souhaite faire des investissements en Afrique. J'ai choisi la Côte d'Ivoire. Alors, mais le problème, c'est que je ne sais pas dans quel secteur. J'ai juste de l'argent, je veux investir sur le continent africain, je veux aller en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas dans quel secteur. Est-ce que les missions diplomatiques ivoiriennes sont là pour m'accompagner, pour m'aider ou vont éventuellement m'orienter? Bien sûr, nous allons le faire parce que d'abord, ça dépend de combien d'argent vous avez que vous appelez « j'ai beaucoup d'argent ». C'est pour ça. Soyons concrets. Déjà, la première des choses, c'est-à-dire que oui, vous allez nous accompagner, mais... qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est-à-dire que je téléphone à qui? Comment ça se passe? Vous savez qu'il y a énormément de missions diplomatiques, y compris celle de la France, de la Côte d'Ivoire, ici en France, l'ambassadeur Maurice Bandama ou moi-même, mes collègues, qui accompagnent des missions économiques à chaque fois dans le pays d'origine. On a ce rôle, c'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner l'investisseur à des rendez-vous. On va dire, bon... on va faire ceci, on va partir avec vous telle semaine. J'ai vu, la Côte d'Ivoire a participé au village de la gastronomie dans les jardins du Trocadéro. Et j'avais vu un vignoble, quelqu'un que je trouvais que c'était très correct ce qu'il faisait. Il était intéressé par la Côte d'Ivoire et il avait envoyé une série d'emails. J'étais en train d'essayer de le mettre en contact avec un certain nombre de personnes. Et puis, ça prenait un peu de temps. Mais cette semaine... je lui ai envoyé un mail et j'ai proposé qu'on l'invite en Côte d'Ivoire. D'accord. Et qu'il puisse voir, par exemple, nous on va l'inviter, pour qu'il puisse voir, le mettre en contact avec des personnes à qui il peut vendre ses vins, par exemple. D'accord, très bien. Donc, on fera toujours ça. Je reprends, là je vais reprendre vos mots. Donc ce vignoble a envoyé des mails. Oui. Sans réponse. Non, il m'envoie des... on vous connaît très bien, M. Konaté. Ça, on sait que vous êtes à cheval concernant tout ça. Mais la question, donc, je réitère, c'est... j'ai beaucoup d'argent, je souhaite investir en Côte d'Ivoire. Quel est le premier contact à effectuer? Est-ce que j'appelle le consulat? Est-ce que j'appelle l'ambassade? Est-ce que je contacte... quel service je contacte? Il y a un service économique au sein de l'ambassade. À partir de combien? 2 millions? Alors, pour être sincère, vraiment, peu importe le niveau, le montant d'investissement. Parce que là, je,
Il y a quelques exemples, des cas concrets où on a appuyé des personnes. Ce n'est pas des investissements importants, mais c'est des investissements utiles. Il y a souvent des gens qui, voilà, je viens de vous parler, si moi j'ai la possibilité personnelle de payer un billet d'avion pour un jeune retraité qui travaille dans le domaine de la plomberie, un Français qui a énormément d'expérience ou un Africain qui était ici, ben moi je le ferai dès demain. Parce que pour moi, c'est important. Il faut que les gens comprennent cela. J'ai dit aux gens, quand vous voulez, regardez les jeunes, quand vous voulez un médecin, qui que vous soyez, vous voulez un bon médecin. Oui, vous voulez une voiture, vous voulez une bonne voiture. Vous voulez un mécanicien, vous voulez un bon mécanicien. Vous avez appelé votre ami, est-ce que vous connaissez un bon mécanicien? Donc, il faut former les gens pour atteindre un certain niveau, où ils ont un niveau de compétence qui puisse leur permettre de faire le travail de façon irréprochable. Ça, c'est vraiment très important. C'est sur ça qu'on doit continuer à travailler en Afrique. Très bien. Donc, premier cas pratique validé. On continue avec le deuxième cas pratique. Ah. Alors, je suis ivoirien, malien ou sénégalais. Je vis en France. J'ai un projet révolutionnaire et je souhaite partager avec l'État ivoirien. Oui. Donc, éventuellement un partenariat PP, hein, public-privé, à qui dois-je m'adresser? Qui sera mon premier interlocuteur? Est-ce que je dois contacter directement l'État ivoirien? Est-ce que je dois me déplacer à savoir qui va payer mon billet? Et est-ce que, ou au contraire, bah, on a aujourd'hui nos missions diplomatiques qui vont pouvoir jouer le rôle de relais? Bien sûr. Les missions diplomatiques vont jouer le rôle de relais, organiser l'ensemble des rendez-vous, et puis quand c'est prêt, vous demandez d'effectuer le voyage. Ils ne vont pas juste vous demander d'effectuer le voyage pour vous laisser tourner dans le vide. Ils ne feront jamais ça. Aucune mission diplomatique ne fera ça. Elle va faciliter les accès. D'ailleurs, pour cela, pour la plupart de ces investisseurs, la Côte d'Ivoire a toujours donné des visas de courtoisie. Les visas de courtoisie, c'est un visa qui n'est pas payant. L'État décide par rapport à l'action que vous allez mener. Même les personnes qui vont faire des œuvres caritatives en Côte d'Ivoire, elles ne payent pas pour leur visa. Nous, on leur donne toujours ce qu'on appelle les visas de courtoisie. Donc, on va non seulement servir d'intermédiation, mais on va aussi permettre à la personne d'avoir un visa de courtoisie. L'ambassadeur même, j'ai vu des dizaines de lettres de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Il écrit au ministre concerné. Il lui dit, j'ai reçu M. Tan. Il est porteur d'un projet de Tan. Et nous, on pense que c'est un projet intéressant. On va organiser une mission avec lui, telle date. Il cale le rendez-vous. D'accord. Ah oui, il cale les rendez-vous de telle sorte que au moment... Ah oui, ils le font. Et ils partent. Avec. Beaucoup auraient pu tout simplement se dire, étant donné que c'est un projet PP avec l'État notamment, eh bien, je vais directement me déplacer, aller directement rencontrer les autorités sur place pour pouvoir éventuellement faire ce partenariat. Alors que là, non. Autant directement voir les missions diplomatiques dans le pays en question, commencer par vous, finalement, qui est la porte directe vers l'État, et puis finalement, c'est facilité. Moi, je pense que, pour moi, c'est toujours la meilleure approche. Parce que le danger, c'est de laisser la personne, tout est une question de contact, aller directement dans le pays. Et le premier interlocuteur qu'il rencontre, c'est quelqu'un qui a passé une mauvaise journée et qui décide de laisser la plus mauvaise des impressions à quelqu'un qui est venu avec une très bonne intention investir. Moi, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, je préfère que ce soit à travers une mission diplomatique qui organise le rendez-vous pour justement ne pas perdre le temps à la personne. Quand la personne va voyager en Côte d'Ivoire, il y en a qui arrivent en Côte d'Ivoire pour 48 heures. Les rendez-vous doivent être calés. On ne peut pas le laisser arriver, appeler de sa chambre d'hôtel. Je suis là, vous demandez si on peut me recevoir demain à 14 heures parce que mon vol, c'est après-demain. Non, ce sera calé. Il saura qu'il a rendez-vous. Au pire des cas, le rendez-vous sera un peu déplacé, mais ce sera les jours et à peu près les heures qu'ils auront définies ensemble. Et ça, pour moi, ça, c'est important. Et on a beaucoup de chance. Aujourd'hui, à la tête du CPC, il y a Mme Solange Amicha, qui était ivoirienne de la diaspora, qui était aux États-Unis, qui a travaillé pendant longtemps là-bas et qui est aujourd'hui à la tête du CPC, qui est parfaitement bilingue, qui est très à l'aise, qui est quelqu'un de très agréable, donc qui est vraiment disponible, hein, qui est vraiment disponible. Vous avez aussi le responsable, le président du CNPPP, qui est quelqu'un de très abordable, hein, avec lequel j'ai eu des échanges avec leur structure hier d'ailleurs, à cause de l'Europe. On va pas dire à cause, parce que la cause n'est pas négative pour l'événement que je souhaite organiser ici en France sur la question de l'investissement. Mais vous serez associé. On va organiser un événement d'un certain niveau pour que les gens voient les opportunités d'investissement qu'il y a. Bien sûr.
Alors, autre point, je suis ivoirien ou autre, j'évolue dans un secteur d'activité et je souhaite être mis en relation avec des personnes qui évoluent dans le même secteur d'activité que moi, mais en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux aller à l'ambassade, au consulat et avoir une liste de ces entrepreneurs, de ces personnes à la tête des différentes entreprises dans le secteur d'activité dont j'ai besoin? Oui, sinon on n'a pas la liste, nous on va contacter la Chambre des entreprises en Côte d'Ivoire, ou la CGC, pardon, le groupe des entreprises en Côte d'Ivoire, ou la Chambre des commerces, et ensuite on va transmettre, on va le faire toujours. D'accord. Donc aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas un annuaire éventuel qui pourrait référencer... Il y a des annuaires de certaines organisations. Mais pour être beaucoup plus précis, lorsque la personne va venir, qu'on rencontre la personne, qu'on peut identifier de façon précise son besoin, en ce moment, si les différentes informations disponibles ne permettent pas de répondre de façon précise à la préoccupation de la personne, nous, on enverra un courrier et puis la réponse ensuite sera transmise à la personne concernée. D'accord, très bien. Donc, très important, secteur d'activité. Oui, je veux collaborer avec des entreprises locales. J'ai la possibilité d'avoir les informations via la mission diplomatique. Les États, les institutions ivoiriennes, comme partout dans le monde, font des appels d'offres internationaux. Hein. Voilà, on les connaît tous. Est-ce que, par exemple, vous avez l'information concernant les appels d'offres internationaux qui pourraient éventuellement intéresser la diaspora? Est-ce que vous avez peut-être un recueil où tous les AO lancés par l'État ivoirien sont recensés à votre niveau et nous, la diaspora, notamment la diaspora ivoirienne, peuvent avoir accès et éventuellement y répondre? Alors, d'abord, c'est important de dire que tous les appels d'offres internationaux sont rendus publics. Donc, ils sont largement ventilés, largement circulés, tant au niveau des missions diplomatiques que de façon générale. Je vois même des appels d'offres de la Côte d'Ivoire dans le journal, enfin, je ne fais pas de pub, mais dans le journal Jeune Afrique, j'en ai vu sur d'autres journaux, ou des appels d'offres internationaux de certains pays. Donc, ça existe. Et nous, à chaque fois qu'il y a des appels d'offres, on va aussi noter qu'il y a des appels d'offres dans tel domaine s'il y a un intérêt. C'est d'ailleurs, je le répète, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'au niveau de l'investissement, c'est important de ramener ici pour un événement majeur le CNPPP et puis le CPC, parce que ce sont des événements qui n'ont jamais eu lieu, mais continuer progressivement de changer les cibles et puis être sûr qu'on a toute la diaspora, le melting pot, le bon mélange de la diaspora où on prend chacun des acteurs qu'on met là. D'accord, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant cela, les relations entre la diaspora, la diaspora africaine et le consulat et les missions diplomatiques. Qui aurait éventuellement des questions? J'ai essayé d'être le plus large possible. Moi, j'ai une question. Parce que nous, côté R&D, on est en discussion avec un contact qui est en relation avec le maire de Tiassalé, par exemple. Il nous explique que ce maire favorise vraiment les investissements de la diaspora. Il a vraiment une politique qui permet de faire des choses très intéressantes au sein de sa ville. Bon, c'est ce qu'il nous dit pour l'instant. On va le voir dans le cadre du Repas de Tours. Je voulais savoir si vous avez des contacts un peu similaires de personnes qui souhaitent faire des collaborations avec nous au sein de leur ville, qui ont une vraie connaissance de leur marché et qui pourraient nous faciliter et nous partager des opportunités. D'accord. Déjà, Tiassalé, c'est très bien, je crois, c'est Assalé Timoko, je crois, qui est journaliste d'ailleurs. Il y a aussi l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UNIVIC aussi, et il y a une sorte d'union des différentes régions de Côte d'Ivoire. C'est important d'avoir, je crois que j'avais suggéré ça la dernière fois, moi je leur contacte parce que je travaille sur des projets, notamment sur les guides d'investissement des régions avec l'association des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est important d'aussi leur adresser une correspondance et puis ils vont vous lister en fonction des zones, en fonction des régions, les différents projets qui les intéressent ou les différents domaines d'intervention ou d'investissement qui les intéressent, de sorte que vous ayez... Moi, ce que je dis toujours, vous avez les informations avant de voyager. Je dis toujours qu'il faut essayer de recueillir autant d'informations que possible avant de voyager. Je suis opposé au voyage systématique. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de faire ces petites recherches, comme vous avez fait aujourd'hui, pendant une heure sur la CDAO. Non, c'est vrai, c'est important. Et une fois que vous avez ça,
vous avez quand même la possibilité ensuite d'avancer sur ces différents projets. Et puis, ils répondent. Ils répondent. S'ils ne répondent pas, vous avez toujours la possibilité de passer par l'ambassade. Parce que si l'ambassade écrit une lettre, ils sont tenus de répondre, ils vont répondre. Donc, je n'ai pas de doute sur ça. Et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, c'est un bon créneau. Tu peux venir, j'avais une question. Oui, j'avais une question. Là, toujours sur des cas très concrets. Imaginons que demain, quelqu'un qui veuille aller en Côte d'Ivoire pour découvrir un petit peu les opportunités d'investissement, mais qui ne soit pas issu de la diaspora ivoirienne. Est-ce qu'il y a une instance particulière ou une administration particulière au sein du consulat qui permet de faciliter un petit peu cette découverte? Oui, comme j'ai dit, on va dire au sein de l'ambassade, il y a une structure économique. Il y a un chargé des questions économiques au sein de l'ambassade. Et celui-là, dès que vous rentrez en contact avec lui, il prend les premiers contacts, il organise des séances de travail avec la personne. Et puis ensuite, il va nous faire des recommandations, il nous dira, ou il dira à l'ambassadeur, il dira « j'ai tel monsieur qui doit aller dans tel domaine d'investissement, j'ai besoin qu'on adresse 4 lettres à 4 organismes et nous, et c'est fait ». Il n'y a jamais de problème avec ça. D'ailleurs, l'ambassadeur revient de Côte d'Ivoire il y a quelques semaines, il était parti aussi avec un groupe d'investisseurs du sud de la France. Donc il les accompagne pour être sûr que… Parce qu'après, quand il arrive à Abidjan, ils sont tous ensemble. Les rendez-vous ont été calés. Quand lui, il appelle, l'ambassadeur appelle au rendez-vous, il dit au ministre, ah, on est venu avec la délégation, on est prêt, c'est demain, c'est 11h. Et puis, ils partent tous. L'ambassadeur fait partie, d'ailleurs, de la délégation avec la personne. Mais avant cela, on fait un travail ici au préalable pour être sûr que la personne est bien briefée, qu'on a l'ensemble de ses préoccupations et éviter de perdre le temps à la personne. C'est ça qui est important. Être sûr que son temps est bien rentabilisé pendant son séjour en Côte d'Ivoire. On peut même l'accompagner. On imagine là que c'est quand même des gros investisseurs, des personnes qui sont rompues à l'entrepreneuriat et des personnes qui arrivent avec des fonds qui sont extrêmement conséquents. Là aujourd'hui, nous, notre chef chez Repat Africa, c'est plutôt le monsieur tout le monde. Et plus le madame tout le monde même, hein, puisqu'on a une majorité de femmes au sein de Repat. Et la crainte qu'on a toujours, c'est de se retrouver un peu tout seul lorsqu'on arrive. Est-ce qu'il y a une institution qui permet d'accueillir les personnes là-bas, vraiment sur le terrain, au réel, pour qu'elles ne soient pas perdues et livrées à elles-mêmes? Alors, sur la question d'investissement, le CPC, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est vraiment important. Si on a des doutes sur un certain nombre de choses, le CPC, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Sur la question des Ivoiriens de l'extérieur, on a une direction générale de la diaspora, qui à l'époque s'appelait direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Donc moi-même, j'ai été en charge pendant 10 ans. Donc cette direction générale quand même accompagne l'ensemble des personnes de la diaspora qui repartent vers la Côte d'Ivoire ou qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire et qui ont des questions précises dans un certain nombre de domaines. En tout cas, moi, j'ai joué ce rôle pendant les 10 ans que j'ai occupé cette fonction. J'essayais d'accompagner autant que possible ces différentes personnes qui se sentaient un peu perdues lorsqu'elles arrivaient, parce que j'ai un peu plus de chance, je réponds à tous les mails, je réponds aux messages. Et donc, ça crée beaucoup plus de confiance dans les échanges que j'ai avec les gens. Donc, j'ai eu cette possibilité, en tout cas, d'essayer d'accompagner autant que possible. Et aujourd'hui, il y a Dr Karamoko, qui est directeur général de la diaspora, d'ailleurs que j'ai eu hier au téléphone, hein, comme par hasard, sur d'autres questions, mais qui est intéressé quand c'est des Ivoiriens qui retournent ou quand c'est des gens qui ont des questions précises pour répondre. Mais la porte d'entrée de l'investissement en Côte d'Ivoire, c'est vraiment le CPC. Ok, bien super. Alors moi, j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé du domaine de la formation professionnelle. Moi, je suis très intéressée par ce domaine. J'évolue constamment dans le domaine de l'insertion professionnelle, de la formation. Et c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure. En 2030, par exemple, il y a différents métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont émerger. Et moi, ma question, c'est si aujourd'hui, je veux présenter un projet phare, justement, sur l'évolution des métiers émergents, des métiers d'avenir et de demain, qu'est-ce que je fais? Je viens vous voir quand? Ce soir, on en parle tout à l'heure. Non, et puis, c'est important de dire ça. Moi, j'adore vraiment le ministre de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Quelqu'un de
très simple, de très abordable, de très disponible. Il a été DG de l'INPHB, quelqu'un d'extraordinaire. Par contre, si vous parlez de formation professionnelle, vous en avez pour quelques jours. Il est vraiment passionné par la formation professionnelle. Je pensais que j'étais le seul et il est venu pour une réunion à l'ambassade et on est resté des heures à parler de formation professionnelle. Et c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par des projets comme ça. Il est très simple. Il peut sortir avec vous, aller marcher en parlant 45 minutes dans la rue sur les questions de formation professionnelle. C'est vraiment... tout à l'heure, on peut en parler. En tout cas, moi, je suis passionné des formations professionnelles. Nous sommes presque au terme de cette after work. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée derrière. Donc, rapide question. Ok, merci. Ma question, c'est, tantôt vous avez parlé de votre souhait de voir une convention entre la zone CDAO et la CEMAC. Mm-hmm. Ma question, c'est, est-ce que la ZLECA n'est pas un début de réponse à votre souhait? C'est tout à fait, surtout en créant ce marché commun d'investissement, c'est une réponse. Mais moi, je parle aussi surtout de la mobilité des populations. J'ai travaillé en tant que directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Et j'ai été beaucoup surpris de me rendre compte que des États africains qui ont de parfaites relations, il y avait des visas entre eux. Par exemple, il y a un visa de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et je m'en rends compte aujourd'hui que je suis consul, puisque je dois signer les visas, et je vois les nationalités des passeports. Et je me dis, ah bon? Et ce n'est pas que vous ignorez, mais on ne perçoit pas, parce qu'on est dans la zone de la CDAO, qu'on se déplace aussi facilement, on ne se rend pas compte que le Congolais, il aura par exemple besoin de ceci, que le Camerounais aura besoin d'un visa. Et moi je dis, quand vous êtes dans votre association de Repat Africa, et que vous décidez à 10-15 de partir vers la Côte d'Ivoire, moi, je m'interroge sur la cohérence du fait que le Camerounais aura besoin de visa, le Malien, et le Burkinabé et l'Ivoirien n'en ont pas besoin, et vous mettre dans un problème d'organisation dans votre voyage. Et moi, je pense que c'est ça, c'est ce pont que la diaspora doit pouvoir créer. Parce que moi, je pense qu'on doit, réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut, quitte à ce qu'on dise, lorsque tu as tel document, tu as la liberté de circulation, mais c'est, par exemple, c'est 10 jours gratuits, 10 jours, après les 10 jours, tu dois sortir, peu importe. Mais moi, je vois aujourd'hui, il y a eu un cas, je ne veux pas l'énoncer, parce qu'aujourd'hui, c'est des temps assez modernes. Je crois que c'est des gens qui allaient dans un mariage qui ignoraient qu'il leur fallait un visa pour la Côte d'Ivoire. Et ils ont des amis d'école, hein. Ils se sont pris dans un groupe de 15. Et puis, bon, certains parmi eux n'ont pas pu embarquer parce qu'ils avaient besoin des visas. Ah, parce qu'il y a aussi les personnes qui estiment que parce que dans leurs documents, on a marqué qu'ils sont nés dans un pays de la CDAO, ça veut dire automatiquement qu'ils sont exempts du visa. Mais ce n'est pas ça, parce que le système regarde la nationalité du passeport qui voyage plutôt que les lieux de naissance, etc. Donc c'est pour ça, moi, si vous regardez dans la zone d'Afrique de l'Ouest, on n'a pas de problème de migration irrégulière entre les États parce que la migration est facilitée. Par contre, quand je travaillais dans mon ancienne fonction, j'ai vu le nombre de personnes qu'on a fait revenir en Côte d'Ivoire qui étaient dans des situations assez délicates dans des États africains. Ça, c'est quand même assez traumatisant comme expérience. Et donc, moi, je souhaite qu'on travaille, qu'on mette en place des facilités. Je vous dis, hein, moi je vais d'ailleurs proposer que peut-être pour les semaines à venir, quand ça va un peu se calmer, parce que j'ai un atelier la semaine prochaine, qu'on prenne un ou deux membres qui font de l'immersion dans un consulat. Il faut venir voir ce qu'on fait. Il faut voir ce qui se passe. Parce qu'après, j'ai vu, hein, nous le consulat de Côte d'Ivoire, l'ambassade, la note qu'on nous a attribuée, on a 3.1 sur les réseaux, sur les avis Google. On se plaint du téléphone et de l'accueil. On dit qu'on est ceci, on est cela. Moi, je lis tout ça. Oui, mais... Ben on a 3.1. Et donc ça, on doit améliorer. Donc moi, je souhaite qu'on fasse de l'immersion et qu'on voit ce que c'est qu'un travail consulaire. Il faut que vous fassiez l'expérience des gens qui viennent aussi demander le visa sans le passeport. Ah non, mais c'est vrai.
Ah oui, c'est, tout n'est pas notre faute. Hein. On prend du temps. On n'a pas raison sur tout. Mais moi, je vous assure que moi, la quasi-totalité des personnes que j'ai vues travailler dans les missions, que ce soit pour la Guinée, que ce soit pour le Mali, que ce soit pour le Sénégal, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, j'ai vu des gens beaucoup intéressés à aider leurs compatriotes. On oublie même parfois que l'État civil est régi par des lois. Parce qu'on pense qu'il faut rendre service, mais l'État civil, c'est des lois, c'est des... Voilà. Donc moi, c'est pour ça. C'est juste la liberté de circulation. Parce que si vous n'avez pas cette liberté de circulation, vous ne pensez pas automatiquement à vouloir partir vers ces différents pays. Et moi, je pense que ça c'est important. C'est vraiment important. Donc là, on va conclure avec... forcément, vous êtes consul, on va conclure avec la CDAO, c'est très important. Alors, vous êtes consul de la Côte d'Ivoire fait partie de la CDAO, d'autres pays, d'autres consuls sont en France qui font aussi partie de la CDAO. Est-ce que, en tant que membre de la CDAO, est-ce qu'il y a une organisation, est-ce qu'il y a une collaboration entre vous, consuls issus de la CDAO, alors, pour harmoniser éventuellement les relations avec la diaspora, avec vos diasporas? Bon, collaboration, oui, et organisation en tant que telle, moi, je n'ai pas trouvé cela. La plupart des autres consuls généraux des différents pays de la CDAO que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés à l'occasion d'une fête culinaire du consulat général de Turquie. C'est là que j'ai rencontré la quasi-totalité des autres membres. Et justement, quand moi j'étais directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, j'avais pour obsession que la diaspora crée une union des populations de la CDAO en Europe. Et d'ailleurs, pour me répéter, c'est ce qui m'intéresse avec RUPAT. C'est ce melting pot. Et moi, je pense que ces différentes personnes avec lesquelles j'ai des contacts, moi, je pense, prochainement, j'ai demandé à rendre visite au consul général du Sénégal et à celui du Mali. Je pense qu'on aura l'occasion de le faire, parce que le Sénégal a un exemple qui me parle beaucoup plus. Ils ont la possibilité de la production systématique du passeport pour les Sénégalais qui sont ici. Donc, vous voyez que... Je fais du benchmarking quand même, j'essaie de m'informer. Ça, je vois, il y a des exemples qui m'intéressent. Ils arrivent à faire un certain nombre de contrôles systématiques. Donc, moi, j'ai envie de créer. Donc, on va certainement les inviter pour un repas. Hein. Et puis, ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas mentionné. C'est vraiment ça, la CDAO. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais vous savez qu'aujourd'hui, grâce à la CDAO, on a pratiquement les mêmes menus dans la zone de la CDAO. C'est-à-dire que vous parlez à un citoyen de la CDAO d'un plat d'un autre pays, il connaît. Le Tchèp, même les Ivoiriens, nous, on croit que c'est Ivoirien. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais l'Ivoirien même peut te dire, quand il mange un Tchèp, il dit, mais ça, c'est pas un bon Tchèp. La dame, là, c'est pas un bon Tchèp. Oui, on est la CDAO, on connaît les repas. Et qui ne connaît pas de la loco, qui ne connaît pas de la tiki, c'est chaque Africain porte ça comme si voilà, il était toujours né avec ça en fait. Voilà. Donc on va travailler à ça. Je vais organiser un premier repas et puis en tout cas qu'il y ait cette sorte d'union. Mais on s'écrit, on s'envoie des WhatsApp, surtout avec celui du Sénégal qui est quelqu'un d'extraordinaire, de très simple. Hein. Oui, c'est quelqu'un. Ah, voilà, c'est quelqu'un de très abordable. J'ai aussi rencontré celui d'Haïti, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je pense que voilà aussi des États qui, même s'ils ne sont pas ici, voilà, sont très importants. Exactement. Donc voilà, nous sommes au terme. Je sais, on n'a pas le temps pour des questions, mais je vous ai permis de poser des questions. Donc désolé s'il y en avait d'autres. Merci beaucoup. Donc au nom de RIPAT Africa, il y a des Congolais, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Antillais, il y a des Haïtiens, il y a des Nigériens, il y a des Nigérians, il y a des Mauritaniens, etc., etc. Il y a des Maghrébins, Algérie, Maroc, etc. Donc voilà, au nom de l'Afrique, au nom de la France aussi, parce qu'on est aussi français, on vous remercie énormément pour votre patience, pour votre disponibilité et pour votre bienveillance encore une fois. Merci. Merci. Monsieur le consul. Ah ouais. On a quelques présents. C'est pas une tentative de corruption. Ah, pour monsieur Konaté oui, et pour madame Konaté. Oui. Bon, j'espère que c'est la bonne taille. Hein. Ils sont là. Ouais. Merci beaucoup. Ah ben oui, taille elle, c'est parfait. Hein. Qui dit le contraire? On l'a jamais vu. Ah non, mais j'ai pris 4 kilos ici. Hein. C'est,
c'est toute la mauvaise bouffe. Waouh! Mais dis donc, il va falloir que je déclare tous les biens que j'ai reçus aujourd'hui. Pour ne pas qu'après M5 ou quoi, elle fasse un reportage. De repâte. Et j'ai demandé à mon mari, qui est pâtissier, qui est passionné de céréales africaines, de nous faire un gâteau aujourd'hui. Oui. Et donc, moi j'adore le gingembre et l'orange. Donc, il a innové aujourd'hui. Il nous a fait un gâteau orange-gingembre. Ah ouais? Et pour les amateurs de piquant, vous serez servis. Waouh! Ça veut dire que ça va chauffer. Ah, ça va chauffer là. Ils sont gros, c'est pas fait. Ils sont gros, c'est pas fait.